tous. Alors aujourd'hui, je reviens vous voir pour une minute locale consacrée à l'architecture et plus précisément à l'architecture Art Nouveau. Alors je suis dans le 16e arrondissement, à l'angle de la rue Schaeffer et de la rue Louis-David. Alors je viens vous parler précisément de cet immeuble qui est très caractéristique pour son style Art Nouveau flamboyant. Le bâtiment que vous voyez derrière moi a été construit par Ernest Herrscher en 1911. Et alors cette personne était plus connue pour ses talents de dessinateur que pour ses talents d'architecte. Et pourtant, il a construit l'un des plus beaux monuments Art Nouveau de Paris. Au moment de la construction de cet immeuble, Ernest Herrscher voulait y installer au rez-de-chaussée son cabinet d'architecture. Alors sur ce bâtiment, vous pouvez voir la beauté des décorations en feuillage qui sont attribuées au sculpteur Pierre Séguin. Et il faut savoir que ce type de décoration est très caractéristique de l'Art Nouveau. L'élément le plus caractéristique de l'immeuble est son angle, car il représente à l'avant-dernier étage une mini-loggia qui est surplombée et protégée par une toiture en ombrelle. Je sais pas vous, mais moi je suis assez envieuse de la personne qui vit sous cette ombrelle. Comme vous pouvez remarquer, cet immeuble a été construit un peu en retrait de la rue, du côté de la rue Louis-David, et ça lui permet, en plein 16e arrondissement, d'avoir un petit jardinet. En 1913, ce bâtiment a été publié dans un ouvrage dédié aux bâtiments modernes de Paris. Il a alors suscité une énorme popularité auprès des Parisiens. Si certains d'entre vous ont l'habitude de voir des bâtiments Art Nouveau, vous serez peut-être étonnés parce qu'ils ne ressemblent pas du tout à ce qu'on s'attend de ce style. Eh bien, c'est parce qu'il a été construit à la toute fin de la période qui correspond à l'Art Nouveau. On peut dire que cet immeuble est l'un des derniers efforts d'un style déjà en déclin. Si vous êtes intéressé par les bâtiments Art Nouveau, n'hésitez pas à aller voir sur mon site www.themorningwalk.fr pour aller retrouver la visite du sentier qui s'appelle Le Retour vers le Sentier et qui est en vente actuellement et qui vous permettra de découvrir tout ce que vous voulez savoir sur l'Art Nouveau et l'Art Déco. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette minute locale vous a plu. J'espère que vous viendrez découvrir très rapidement ce magnifique immeuble Art Nouveau dans le 16e arrondissement. Je vous souhaite de voyager au plus possible, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.